Et salut tout le monde, c'est Overdose, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur... Bah là on dirait Horizon, mais c'est pas Horizon en fait. Skyforge. C'est un jeu, donc c'est un MMO qui est sorti il y a environ un mois, donc je m'étais résolu à pas l'essayer parce que je suis déjà sur Diablo, tout ça, donc niveau MMO, enfin c'est avec un slash, mais vas-y ta gueule. Allez du coup on va le tester tout de suite, hein? J'espère que c'est bien des cinématiques. Alors pour info, Skyforge si vous connaissez pas, donc c'est un chouette MMO apparemment, dans lequel on incarne, donc je sais pas encore quoi parce que... Non, je déconne, je vous skip si vous voulez la voir. En réalité, il faudra que vous jouiez aux jeux. C'est. Aux jeux. Bien. Allez, si petit. Je tiens aussi à dire que, du coup, là, comme vous voyez, l'éclairage il a un peu changé d'habitude. Donc, c'est un éclairage que j'ai fait moi. Il crépite un peu en fait. Je peux pas vous expliquer pourquoi, mais il crépite. C'est parce que je suis nul en soudure. Donc, ça. S'en fout. Alors, pour le choix de l'homme, on prend un homme ou une femme? C'est vrai que j'ai tendance à faire à jouer les personnages masculins dans les jeux auxquels je joue. On va prendre une nana. Mater les boobs. Bon, je crois qu'on en avait parlé, mais. C'est extra. Ah, j'aime bien elle. Hein? Regardez ça. C'est pas magnifique? Putain. Ah, oh! Ça part sur un taille là. Oh putain, j'ai pas à faire trop mince non plus, 90 ça me paraît bien. Ah, j'aime pas non plus les meufs trop maigres alors. Ah, comme ça me paraît bien. Ah, tu peux la faire bien dégueulasse là, bien musclée. Ah, c'est pas beau. Attends, juste un truc pour voir. Qui c'est qui joue avec ça? Bon, là on a un compromis entre les deux. Je vais même la mettre plutôt vers corpulent, légèrement. Hop, comme ça me plaît bien. Comme ça, on va pas faire comme ce que tout le monde fait. Hein, on n'est pas quelqu'un de. Voilà, bah, c'est quoi sa proportion? Bah, en fait, n'importe quoi, elle rapetissi, ils sont craqués les types. On peut lui mettre des trucs. Oh, excellent, j'espère juste qu'on peut changer après, parce que oh, ça c'est pas mal du tout. Putain, tu peux même régler la manière de courir, quoi. Oh, regardez la différence. Si je la mets vers lourde, ah, là, elle fait la bonhomme, là, la meuf, celle qui porte la culotte, clairement. À l'inverse, si tu mets léger, elle est kawaii, tu vois. Ah voilà, on va mettre comme ça. J'aime bien si elle est kawaii. Ah quoique, attendez, j'ai dit de la merde, faut pas qu'elle soit trop kawaii non plus quoi. Allez, un petit peu kawaii, voilà, un petit peu. Alors, on peut être agressif, normal ou détendu. Bon, on va être détendu, parce que je suis tout le temps détendu. Oh! Tu mets elle avec la posture agressive, avec le pas lourd, elle te saute dessus, t'es mort. Je vais laisser normal parce que... Ok, il y avait plein d'onglets, et là, j'ai fait un terminé. Fini, même pas le choix. Mais trop fraîche. Ouais, c'est ça. Allez-vous-en, bande de merde. Ok, alors déjà, première impression, direct. On va commencer déjà parce que c'est un test. J'ai dit que je jouerai au jeu s'il me plaît. Mais alors première impression, le jeu est ma foi pour un MMO gratuit. Hein, voilà, il est déjà disponible depuis longtemps sur PC, mais alors sur PS4, ça fait trophée. Ouais, ça fait donc un mois qu'il est disponible gratuitement, donc c'est pas mal. Ok, donc là apparemment on doit aller à machin, à centre-ville. Alors petit jump. Ok, c'est quoi les attaques? Ok, pas d'attaque. Voilà, ça commence bien. Oh, ah, alors. On peut attaquer avec carré. Oh, je peux faire des dash. Bra. Tu ne peux pas me vaincre. Ok, petit combo, bien t'as vu. Et oh là là, tu fais quoi, toi, bâtard? Nickel. Ah, j'ai Triumph disponible. Oh, ça, j'aime ce genre d'animation. Ça me plaît. Ok, une espèce de boss. C'est pas grave, on lui pète sa gueule. Ok, je pense que c'est... Oh, magnifique! Voilà, ça dégage. Et c'est pas mal du tout, sérieux. Allez, bon, voilà, aucune surprise. Overdose, fort la poigne. Voilà! De la difficulté, on en voulait. Seigneur Ra, rabat-joie. Ah oui, là on lui a pas enlevé de vie. Hop là,
Tu ne m'écras pas, bâtard. Oh putain, il a deux barres de vie. Ah ouais. Bon, comme je m'y attendais, c'est purement didacticiel, donc rien de pas... Rien de ouf. Mais graphiquement, c'est... ça, c'était kawaii, ça. Bien évidemment, voilà. Bon, avec mon petit triangle, pas de problème, je one-shot tout. Hein. Oh, c'est qui? Oh, mais il y a du skill! Ah non, à plus. Ça vous rappelle pas un film? Bolot, calmos mec. Hein. Oh, ah ouais, d'accord, on s'est fait laver. Eh, tu me touches pas, wesh. Portez plainte pour la touche pas. Fils de pute. Hé, hé, oh. M'a pris pour une carpette, le type. Ok, bon sinon je peux pas choisir une spécialité un peu là. Je sais pas, lancer des boules de feu, des shurikens, tout ça. Hop, on commence à connaître. Voilà. Ça c'est quoi ça? Je peux muter ou pas? Apparemment. Oh là là, t'as fait quoi lui là? Bim, ça dégage. T'es pas beau. Tuez-le. Non. Je crois pas. Non, en vrai, c'est... Putain, je disais, ça me rappelle pas un film. Petit ralenti sur le côté et tout, là. Et le sang est en option. Oh, 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 ça, c'est pas mal, ça. Bon, tout à l'heure, quand je disais ça dégageait pas vraiment. Là, ça dégage. Oh la mauvaise jeu d'acteur. Ah ouais, mais il fait pas grand chose, type, hein. Oh, difficulté. On recherche la difficulté. Est-ce que vous l'auriez vu? Déjà, dernière barre de vie. Regardez, on va les laisser croire qu'ils vont appliquer. Oh non, m'attaquez pas. Oh non, non. Non, je les connais, bande de bâtards. Excellent, excellent. Une blague de ouf. Voilà. Petit nécromancien dead comme il faut. Mais il se précipite, mais alors pas du tout. Les mecs, bas les couilles. Hein. Ouais, c'est capable de kidnapper, on croit qu'il est mort. Non, vous pouvez facilement changer de classe en jouant le même personnage. Hein. Donc, je serai un pâtissier céleste. T'es long. Je pense que ça a craché parce que ça doit bien faire déjà deux bonnes minutes que je suis en chargement. Un bon jeu. Hein. 5 minutes. Et 2 minutes, allez, je crois que je suis pas assez après. Faites grave la fume d'attendre. Hein. Oh. Oh. Magnifique. Je viens de me niquer la main. Bah je vous esquive la cinématique, en gros on est juste rendu à la capitale, les mecs ils rigolent, voilà, les mortels, la première fois que j'en vois, tout ça, blablabla. Ok, ils enlèvent les sous-titres, comme ça, ils sont pris pour qui là? Oh, à mon avis c'est le choix des classes. Bon. Je laisse un petit peu histoire qu'on puisse voir, donc je vois qu'il y a du guerrier, du mage, du support, de l'invocateur. De l'archer, hey, ça me stresse cette map qui bouge pas en fait, qui se met pas. Enfin, le nord, on voit que le nord.
mais ça devrait s'incliner vers là où je vais, quoi, parce que là, moi, je... Bref. Ok, en gros, il se présente, il y a plein d'immortels, il n'a pas le temps, enfin, en fait, on s'en bat les couilles. Petite séance d'entraînement, on va voir ce que ça donne, pouvoir d'immortel ou non, on va le savoir tout de suite. What's going up? Non, je fais genre, mais en fait... Voilà. Ok, on va choisir notre classe. Ça, c'est bien, ça. Un jeu où tu peux changer de classe quand t'as envie. J'ai toujours rêvé d'avoir un jeu comme ça. Ok. Alors, on a que... Ah non, ça, c'est pas des classes. Ok, donc il y a... Ah oui, donc au tout début, on est limité à 3 classes. Mais donc, il y en a au total... Oh, ouais, pas mal. Pas moins de 13 classes de personnages. C'est pas mal. Alors, choix numéro 1, on peut jouer un paladin. Donc, sans doute un choix de guerrier, on va dire, corps à corps. Créomancien, ça, j'en ai déjà vu des petites vidéos. Donc, le gameplay a l'air intéressant. On peut invoquer des espèces de météorites de glace, tout ça. Ça a l'air fun. Et alors, Lumancien. C'est quoi un Lumancien? Ok, alors, c'est clairement du... c'est un soutien. Là, c'est un mage. Là, c'est un DPS... D'accord. Eh ben moi je vais directement me rendre vers lui. Ok. Nous serons une paladine. Ah donc là, ok, ça on connaît. Oh, petit enchaînement supplémentaire. Attaque de zone avec R1. Testons ça. Ouais, j'aime bien. Ah là merde, faire un enchaînement, je suis débile moi. Et je crois que c'est le premier MMO où je vois des combos comme ça. Ça me paraît... C'est vraiment cool. Il y a du mono-cible, du multi-cible. C'est extra comme jeu, en fait. Appuyez sur le bouton pour porter le coup de grâce. Ok. Il y a même un finish. Ok, not bad. Oh, là, j'ai mon arme divine disponible. Oh, hey. Oh, le tourbillol du barbare, on dirait, là. Oh là là, ah bah oui, mais tu m'étonnes. Oh. Dem, what the fuck. Comme, oh là là. Extraordinaire. Très bien, ça n'a pas duré longtemps, mais c'était pas mal. J'aime bien. Ah, on a eu... Du stuff, vient d'avoir des trucs d'accord, donc en fonction de comment tu te connectes. Ok. Pas mal, donc petit attrait sympa pour pouvoir nous inciter à jouer, c'est bien. Il faut qu'on fasse des missions du coup. Alors donc il y a la campagne, ok, donc il y a des maps, pas mal de maps. Quand vous voyez le nombre de maps qu'il y a, regardez en haut, avec donc des zones. C'est pas mal du tout. Alors ici, et là donc là on est sur la dernière. Il y en a que deux. Pas pour rien je pense. Bon on va tester quand même une mission histoire de vraiment se rendre compte si le jeu est cool ou pas parce que on a fait un petit tacticiel tout ça. Voilà quoi. Pas me prendre pour un con. Ok. Donc là il faut que j'aille le son de cette planète là. Elle me prend pour un débile. Oh ça c'est génial. Ça c'est trop cool. Ah. Ok. Premier lootage. Ça c'est cool. Bah cool. Hop. C'est quoi ce. Elle a fait un truc chelou là pour. Oh putain merde, ça me régale. Est-ce qu'elle va refaire la même chose? Elle fait des coups de pied en fait, c'est ridicule. J'adore cette attaque avec l'éclair. Putain, les enchaînements ils sont quand même pas mal. No problem. Ça va être tranquille. Oh la vie qu'on lui enlève. Non, tu te. Je sais pas ce qui te prend mais ça va pas. Allez par toi. Bra. Elle avait quelques barres de vie quand même. Ok, bra, ça c'est fait. D'accord. D'accord. Oh, on s'est pas copié sur Destiny. Faut pas se foutre de ma gueule. Tu la fais pas moi mon gars. Bref, bien voilà, c'était une petite vidéo sur Skyforge. Pour le moment, il me plaît beaucoup. J'aime bien un peu le mode de jeu, les styles, tout ça. C'est pas mal. Et je pense que je vais m'y mettre, sachant que j'ai des potes qui y jouent. Et ben je vais jouer avec eux. Ah, c'est enfin, c'est un connard. Mais ça peut être pas mal à mon avis. Ce jeu, il doit avoir un bon potentiel, sachant que vu le nombre de maps qu'il y a,
Je demande à voir, c'est sûr. Je sais qu'il y a des donjons et des raids qui se jouent donc à soit 5, soit à 10. Quelque chose comme ça, je suis tout à fait sûr. Mes infos sont pas du tout fondées, je me suis pas du tout renseigné sur le jeu. Là, je l'ai testé à l'arrache. Mais franchement, sinon, c'est un jeu qui est plutôt pas mal. Les graphismes, j'avais une appréhension et en fait, pas du tout. Le jeu est beaucoup mieux fait qu'est-ce qu'il y paraît. Mais si ça vous a plu, du coup, n'hésitez pas à le télécharger. Il est gratuit donc sur la PlayStation 4. Il doit l'être aussi sur PC, mais là pour le coup, c'est vrai qu'il est pas mal sur PS4 une fois qu'un jeu comme ça est bien adapté. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo. Comme tous les autres le disent, hein. C'est très important. Pouce bleu. Au pire, faites comme vous voulez. Hein. Bon. Non, je m'en fous pas, mais. Lâche un pouce bleu, s'il te plaît. Sur ce, je vous dis ciao tout le monde. Kiss.